Un archipel au milieu du golfe Saint-Laurent. Un archipel en forme d'hameçon. Des îles de terre rouge, reliées par des dunes, où 10 000 Acadiens tirent vaillamment de la mer leur subsistance. Acadienne que Jacques Cartier découvrit avant Gaspé et qu'il appela Arène. Plus tard, en 1663, le sieur François Doublet, concessionnaire de l'archipel, soucieux de ne pas passer seul à l'histoire, donna aux îles le prénom de sa femme, Madeleine. Ici, peu d'agglomérations, pas de vrais villages. La minorité anglaise vit sur les îles qui forment les deux bouts de l'hameçon. L'Acadien français occupe le centre de l'archipel. Sur l'île d'entrée, la mer inlassable a sculpté les grès rouges. La vie des Madelinos est celle de beaucoup d'insulaires. Elle a le rythme de la vague. Elle suit le cycle de la pêche. Fin avril, le hareng donne. Longeant les côtes, s'est buté au filet tendu, l'a remonté et s'est emprisonné dans la trappe. S'il fait beau, les journées passées à remplir les gabarres seront longues, car avec de simples nasses, les pêcheurs des îles puisent de leur trappe dans un mois des milliers de tonnes de hareng. Lent des hommes, alourdi par les cirés luisants d'écailles, la gabarre est pleine à ras-bord. Si j'étais pas si mouillé, pense à Villa, je me roulerais une cigarette. Après une demi-heure d'une navigation sans histoire, Avila s'est amarré au bateau-pompe qui remplit les cales du cargo arrivé hier. Il est content, Avila. Pour les pêcheurs, un cargo comme ça, c'est 10 000 barils de hareng vendus. Mais en général, le hareng est traité sur place, à l'usine de farine de poisson. Car aspiré par les pompes, charroyé par camion, ce hareng n'est évidemment pas destiné à consommation domestique. Dans cette usine ultra-moderne, où quand la pêche est bonne, on travaille 24 heures par jour, le hareng haché, bouilli, déshydraté, devient farine. Ce produit, plus riche en protéines que la farine de blé, entre dans la composition des moulets dont on nourrit les animaux et se classe parmi les principales exportations des îles. Le hareng que l'on mange habite un vaste fumoir blanc et rouge. Choisi parmi les plus beaux spécimens que le pêcheur rapporte, il est enfilé sur des baguettes que l'on suspend à l'intérieur des fumoirs.
des bois durs, merisiers, érables, qu'il faut importer, brûlent nuit et jour pendant 6 semaines. Cet après-midi, on est rentré tôt du large. Et tout doucement, on a vu finir ce beau jour de mai, sans se demander si la mer demain sera grosse. Demain, c'est dimanche. Dimanche, ce matin, dans les 6 paroisses de l'archipel, les clochers sont ébranlés. Ce matin, sur cette croyante terre d'Acadie, tous les chemins ont mené à l'église. Dimanche, c'est aussi le jour où ceux de la Vernière et ceux de Grand Ruisseau ont promis, on va les battre. La liberté de parole est une vertu démocratique. Comme si on n'avait pas assez de filets à l'eau, il en faut encore un sur le tennis. Mais les filets seront bientôt étendus sur les clôtures. Des milliers de casiers à homards sont empilés sur les quais et dans les anses. Demain, lundi, s'ouvre la pêche aux homards. C'est la plus importante aux îles et elle n'est permise que du 10 mai au 10 juillet. 2 mois. 2 mois pour maintenir une industrie dont le chiffre d'affaires annuel touche le million. Voilà. De bonne heure, de très bonne heure au petit matin, les hommes ont chargé leur bateau des premières cages et ont pris la mer. Toute la journée, dans un va-et-vient cessant, ils reviendront charger au quai, retourneront au large. Et au crépuscule, les 300 cages, maximum permis par la loi, les 300 cages lestées de pierre, appâtées de harangues ou de plis, reposeront au fond de l'eau. Pêche aux homards se pratique sur des fonds pierreux, non loin des côtes. Les cages sont groupées en dizaines, repérables à la surface grâce à 2 petites bouées. Ils ventent dur. Ceux de grande entrée pêchent sous le vent de la terre. Pas si mal, mais les pêcheurs de l'étang du Nord, d'où vient le vent, auront de la misère. Léo rentre. Décidément, le temps se garde. Et comme dit Grégoire, ça va boxer. Le destin frappe. À l'étang du Nord, un bateau n'est pas rentré. On a retrouvé leur barque. Chargée haut, elle a glissé dans la vague comme une mouette et ne s'est pas redressée. Les autres sont là, avec leur curé. Ils s'en veulent d'être impuissants, inutiles. C'était 2 bons pêcheurs. On s'occupera des familles. Ils se sont lancés dans la vague encore haute, comme des gens qui poursuivent une vengeance. Mais il n'existe pas de vendetta pour les gens de mer.
casier à homard que la furie d'hier a épargné, les hommes puisent leur gagne-pain. 2 mois de bonne pêche signifieraient 6 ou 8 000 livres de homard, presque l'aisance. Le pêcheur reprend confiance. Sa vie est là, sur la mer, avec son homme. Et les homards s'empilent dans le bateau en claquant leurs pinces. Allô les petits et les femelles, c'est la loi, pour que demain et l'année prochaine, il y ait encore du homard dans les cages. Le quai, tu l'as vu de loin, comme une récompense. Tu t'accostes au milieu des autres, tu décharges tes homards. La conserverie est à portée de doigt. Les crustacés tout frais seront apprêtés immédiatement. Allez, une autre journée de fini, une bonne celle-là. À l'usine, on cuit. Bonne pêche, fort marché. On cuit à Havre-Aubert, Gros Cap, Grande Entrée. On cuit partout. Moins de 2 heures après l'accostage des bateaux, ces beaux homards rouges seront des conserves prêtes pour l'expédition. Tout se passe maintenant à un rythme accéléré qui ne s'apparente en rien à celui de la pêche. Les crustacés encore chauds sont démembrés. Admirable d'adresse et de rapidité, des équipes d'hommes et de femmes vident les pattes, les pinces et la queue de leur carapace. Dans la mise en conserve n'entrent que les morceaux de tout premier choix. L'inspecteur Vigneault examine, approuve. Il peut être fier. Avec ses collègues du ministère provincial des pêcheries maritimes, il surveille la préparation des meilleures conserves de homard du monde. Le homard, qui doit être expédié vivant, est gardé dans des viviers, ensemble de cases superposées dans l'eau. Pinces bloquées d'un coin de bois, le homard y attend l'avion ou le bateau qui l'emportera sur la grande terre. Aux îles, les enfants s'appellent joliment les mousses. Ils sont contents d'aller à l'école, plus contents quand arrivent les vacances. Les jeunes filles fréquentent l'école normale Notre-Dame-des-Flots, sur l'île du Havre aux Maisons. Dansez, jeunes filles, pour la maison de main vide. Dansez pour ceux dont le dévouement ne connaît pas de vacances. Voici parmi tant d'autres des fondateurs de coopératives, des bâtisseurs d'hôpitaux et d'écoles, des gens qui, par leur action positive, perpétuent le miracle acadien. La science s'est mise elle aussi au service des pêcheurs madelinots. Au laboratoire de biologie marine du département des pêcheries, des études avancées se poursuivent sur le homard et les autres produits de la mer. La station de Gros Cap est reliée par radio aux autres stations de l'Atlantique et travaille en collaboration avec elles. Elle possède son bateau, le Mécatina, un cordier moderne, véritable laboratoire flottant. Ce matin, les hommes du Mécatina font des essais de chalutage. Ils rapporteront à la station biologique des spécimens permettant de poursuivre les expériences sur la migration des poissons et des crustacés. Les cordiers de l'étang du Nord, identiques au Mécatina, sont gréés pour le chalutage et la pêche à la morue. Cap ouest-sud-ouest pendant 2 heures. Encore endormi de la chaleur du poste, le pêcheur déroule la palangre. On jettera ainsi quelques lignes,
puis on reviendra relever la première. Pour remonter sans effort les prises, la corde est halée par un cabestan fixé à l'arbre de couche du moteur. Les heures passent, rythmées par le bruit du treuil et le clapotis de la vague contre la coque. Le radiosonde ne s'est pas trompé. Pêche moyenne, plutôt bonne. La dernière morue, le dernier hameçon. Appelle la station au radio-téléphone, on rentre. Près de la bouée à cloche, Antime sourit. Il a raconté aux mousses qu'une belle dame habite la bouée et lui donne parfois des gâteaux. C'est des galettes aujourd'hui. Les mousses emportent les galettes de la dame de la cloche, le dessert de leur père. Antime et son fils aîné rentrent à la maison. À l'usine de Cap-Aumel, une des plus modernes de la côte de l'Atlantique, la morue entre entière à un bout, ressort en filet congelé à l'autre bout. Les filets de morue, d'une blancheur impeccable, ne contiennent pas la moindre arête et sont des aliments recherchés pour la finesse de leur goût et leur valeur nutritive. Dans le cycle de la pêche, la morue arrive avec le hareng et part la dernière à l'automne. L'industrie des filets congelés procure donc à ses employés un gagne-pain stable du printemps au début de l'hiver. La pêche au homard est finie, les conserveries fermées, quand les fumoirs à hareng arrêtent de boucaner. Les panneaux extérieurs sont poussés. Le beau hareng fumé à point va prendre à son tour le bateau. Il est un moment où le pêcheur Madelineau se fait terrien. Cette vocation passagère durera juste le temps qu'il faut pour faire les foins et plus tard récolter les pommes de terre. Pour protéger du vent la meule de foin, un vieux filet à maquereau. La mer est proche. L'odeur des récoltes nouvelles n'efface pas l'odeur forte du poisson. Et l'herbe des beaux pâturages rasés a le goût du sel. Quelques belles fermes se partagent les champs les plus fertiles. En agriculture, les Madelineaux ont fait de grands progrès. Mais ils restent avant tout des pêcheurs, ne demandant au sol rouge que des pommes de terre pour les gens et du fourrage pour les bêtes. La prospérité de l'homme dépend de la générosité de la mer. Une bouche de plus à nourrir, c'est un sourire de plus qu'on retrouve en rentrant du large. Courbés sur leur bêche, jardiniers de la lagune qui s'étend entre la dune du nord et celle du sud, voici les pêcheurs de coque. Les mollusques à la blanche coquille vivent dans le sable. Leur pêche est une industrie qui demande des bras et des reins solides. C'est aussi un divertissement. Toute la famille va à la pêche au coq et fait pique-nique sur le sable blond des dunes. Pour le touriste qui n'a pas le pied marin, c'est vraiment la pêche idéale. Les longues dunes qui relient les îles furent un temps plus ou moins carrossables. Minées par l'eau, bouleversées par le vent, elles devenaient de moins en moins praticables et parfois même se montraient franchement hostiles. Aujourd'hui, un pont en
enjambe le détroit. Une chaussée franchit la baie d'Andan et rejoint la route construite sur le sable de la dune du Nord. Les villages les plus éloignés sont devenus voisins. Grâce au réseau routier, les 60 milles qui séparent l'est et l'ouest de l'archipel ne sont plus un obstacle à son développement. Laissant derrière lui le trou du Piaillard et les falaises de Old Harry, Léo s'en va quelques milles au large à la pêche au maquereau. En arrivant, la villa sème la fricassée, déchets de harengs moulus. Et la pêche commence. Chaque homme a deux lignes. À cette saison, le maquereau voyage par banc, en surface. Une bonne journée de pêche égale 1000 maquereaux ou plus. D'un mouvement extrêmement rapide, le pêcheur rentre sa ligne, décroche d'un coup sec le poisson qui ne mord que légèrement et du même geste relance sa ligne à l'eau. Les maquereaux sont des batailleurs, à la chair très fine, à peu près tous de même poids et de même taille. Hors de l'eau, les écailles changent légèrement de couleur. Ce poisson sait mourir en beauté. Laissant Léo à sa pêche, le Mécatina arrive en vue du rocher aux oiseaux. Contre la falaise droite, un escalier presque vertical. En haut, un phare et les oiseaux. Ils sont innombrables. Il y a les goélands et surtout les foulebassins. Et ce petit bonhomme, le comique de la bande, le macareux. Tout ce monde ailé jacasse tellement fort que le gardien du phare entend à peine son cornet à brume. Heureusement, du large, on l'entend. La pêche à la morue est un métier de toujours. Les hommes de la goélette pêchent à la turlute, car au mois d'août, la morue qui aime l'eau froide est au fond. Sur le pont, soudain, on s'agite. Une ligne tire à se rompre, mais sûrement pas une morue. Un flétan, alors. On en a déjà pris quatre, ce qui n'arrive pas souvent. Mes vieux, pour des pêcheurs de morue, vous ne vous privez pas. À Cap aux Meules, comme dans tous les villages côtiers, le centre d'attraction, c'est le quai. Les Madelinos ont leur propre coopérative de transport par goélette. De plus, deux lignes de navigation relient les îles aux provinces maritimes et aux principaux ports québécois. Le télégraphe et le radiotéléphone assurent un contact permanent avec la Grande Terre. L'électricité est une autre réalisation d'un vaste mouvement coopératif qui, en 25 ans, opéra la renaissance de l'archipel et lui apporta le progrès.
Les Madelinos ont voulu un hôpital grand, moderne. Un hôpital où le dévouement et la science médicale ont enrayé les épidémies, banni des îles la tuberculose et contribué magnifiquement à sauvegarder cette grande richesse, la santé. Pour la nouvelle génération, un avenir meilleur, un avenir prometteur s'annonce. Vie heureuse des gens simples, la pêche, la maison, le quai. Vie scandée par l'arrivée et le départ des bateaux. Vie tout organisée en fonction de la mer. L'avion complète les moyens de transport. Il fait la liaison entre l'archipel et l'île du Prince-Édouard. Grâce à lui, on peut se faire une idée plus juste de la topographie des îles. Plateaux mamelonnés, largement échancrés par la mer. Voici Cap aux Meules et son quai, où nous étions tout à l'heure. Derrière cette falaise, nous descendons. Droit devant nous, la piste ou la dune, c'est la même chose. Pour le voyageur, le charme des îles commence déjà à opérer. À l'atterrissage, entre la terre et la frange des vagues, il trouve un pays différent. Il découvre des odeurs nouvelles, serre des mains. Deux mots se juxtaposent, Madelino et hospitalité. Dans le sable jusqu'aux chevilles, on fait connaissance, on parle fort à cause des moteurs, on regarde partir l'avion sans nostalgie. Gaspé s'en va lui aussi. Le Magdalène est sous vapeur. Il suivra bientôt l'autre. C'est l'heure du vent calmé et des couleurs plus chaudes. L'heure où après tout ce va-et-vient, le silence retombe dans le remous de l'hélice. S'amuse à pêcher. La petite plie abonde autour du quai. Tentée par un morceau de maquereau, elle s'aventure, pour son malheur, au-dessus du filet rond. La petite plie sert au jeu des enfants et à appâter les cages à homards. Voici Grégoire qui rentre. Le dernier, comme d'habitude. Déjà, le quai n'a plus d'importance. Déjà, c'est samedi. Les fines coques blanches, entrelacées de cordages, ont bien mérité le repos. Et les hommes, donc. Regarde, Grégoire. Des champs, un clocher. Regarde les caps, la mer. Pêcheur Madelino, voilà ta part. Voilà ce que t'ont légué avec leur foi et leur courage tes ancêtres d'Acadie. C'est ton héritage. Garde-le bien.